Ah, vous êtes là. Bienvenue dans le Vermont pour ce 6e épisode de Coffee Monday. Écoutez, je crois que l'Amérique a un petit peu trop d'éteint sur moi. En attendant, je vous laisse avec les copains pour le début de semaine. Nouvelle Tesla, toi ? Ouais, c'est notre Tesla de location. 2,63 litres. Clémentine, on le connaît jamais, non, ici. Ah, ça arrive, la pédale. C'est important. C'est le village de Yann Pesanti. Bon, disons, je fais du VTT. Les photos, elles sont fous, mais bon, c'est pas grave parce que comment il met la plaque. Bonjour le ça remonte. Ça commence fort. Là, je me fais un nouveau collier. Parce que... Didier a déménagé. C'est le voisin du Vermont, vous imaginez? Je vais vous laisser avec lui pour l'info solide de la semaine. L'info insolite était plutôt sympa cette semaine. Bon, je vous laisse avec les rocos. Waouh! Waouh! Quelle force! Oh, c'est vraiment sympa ces petits outils, hein. On en prendrait presque goût. Les recos se sont bien passés. Comme vous savez, on aime bien rigoler dans l'équipe. On vous a concocté un petit dérivé d'une émission bien connue, le Fort Boyau. Et bienvenue ce soir pour l'épreuve fatidique de Fort Boyau. Ce soir, nous avons le privilège d'accueillir Théo Galli à ma gauche, Irène et Monfou à ma droite, pour deux épreuves. Règle de l'épreuve numéro 1. Vous partez d'où vous êtes, vous allez chercher vos actes de roue avant, à passe-partouze, vous revenez en courant, vous montez vos roues avant et vous allez taper dans la main de passe-partouze pour valider le jeu. Ouais, c'est pas bon, c'est ma roue, c'est ma roue, c'est ma roue. C'est de le jeter sur le cône adéquat qui est derrière moi.
Monsieur Manjou. Félicitations. Je vous offre votre trophée. Oh. La nourriture pour les petits protégés est prête. On va aller les nourrir. On leur souhaite, comme d'habitude, tout le meilleur pour demain, jour de course. Allez. À table ! Mais ça va, on y est ouais. Déjà, nous, là. Dur début de journée, de première spéciale, pas d'énergie. Et je me fais sortir des lignes. J'ai l'impression d'être passager du vélo. Dur, très dur, long, chaud, des spéciales super physiques, un petit coup de pas de chance avec une crevaison au départ de la SP5, du coup ça a été un peu compliqué à gérer et puis ouais, une fin de journée dure dans le physique, mais il y a pas mal de positifs, il y a du rythme qui revient petit à petit, donc c'était cool, je me suis amusé sur mon vélo, on va garder la dynamique là pour le week-end prochain. La semaine est terminée ici dans le Vermont. Résultat des courses, Théo termine 38e et Irénée 47. Il est temps pour moi de prendre la route, d'emmener toute la petite équipe aux USA pour la prochaine étape. Vu l'heure qu'il est, je ne peux que vous conseiller de ne pas abuser du café. Et à la semaine prochaine pour le prochain épisode.